Akil, l'autre jour j'ai rêvé qu'une fille est venue se plaindre, que tu la maltraitais physiquement et psychologiquement. Je me suis réveillée en sursaut, ça semblait si réel. Maman, tu me connais. Je ne peux pas faire de mal à une femme, c'est impossible. Si je le fais, c'est que c'est à toi que je le fais. Ayez les enfants que vous méritez. Merci mon fils, merci. Tu vois ce que cet homme est en train de faire là? Il est vraiment méchant. C'est horrible. Maman, comment ça se fait que personne ne l'arrête? Un homme ne devrait pas frapper sur une femme. C'est un sorcier. Ah oui? Je suis heureuse de te l'entendre dire. Ça veut dire que tu écoutes quand je te parle. On devrait sévèrement punir tout acte de violence sur la femme. Oui, maman, mais pas seulement sur une femme, sur un homme également. J'ai vu dans un documentaire l'autre jour que même les hommes subissaient des violences conjugales. Tu as raison. Tu as pleinement raison, mon fils. De toutes les façons, on devait bannir complètement les actes de violence dans ce monde. Mon chéri, écoute-moi. Quel que soit ce qu'une femme va te faire, ne lève jamais la main sur elle. Je dis bien jamais. C'est compris? Tu peux dormir tranquille, maman. Tu as donné une très bonne éducation à ton fils. Je suis si heureuse de t'entendre dire ça. Et j'ai toujours su que tu as toujours été mature par rapport à ton âge. Malgré l'absence de ton papa. Maman, je sais que de là-haut, il veille sur nous. Ouais, très juste. Akil, dis-moi, tu as déjà une amoureuse? Non, non, maman, pas encore. Je préfère me concentrer sur mes études d'abord. Super. Bon, il est temps que j'aille à la réunion. Le repas est prêt. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. D'accord. Sinon, je vais laisser un peu d'argent sur ma table. Ok? D'accord, maman. Maman, s'il te plaît, je peux aller rendre visite à Armand. Mais à condition que tu ne rentres pas tard. Tu fais attention à toi, d'accord? D'accord, maman. Voilà maman, qu'est-ce que tu penses de la violence faite aux femmes par les hommes? Sincèrement, je pense que c'est une très mauvaise chose. Bon, maintenant, il y a la violence, je veux dire quoi. Un grand frère peut taper sa petite soeur parce qu'elle a eu tort. Nous, en Afrique, on n'a pas ces problèmes-là. On peut te taper à tout moment, comme tu me connais. Maintenant, la violence conjugale.
elle, c'est vraiment ton autre plan. C'est autre chose. Pour moi, je pense que ce n'est pas bien du tout. Parce que si tu as ton partenaire ou ton compagnon, c'est la seule chose qui peut vous rendre unique et qui peut en faire en sorte que votre relation dure, c'est le dialogue. Le fait de taper sur l'enfant de quelqu'un, c'est très complexe. C'est très complexe. Des personnes trouvent des raisons à attribuer à cela, mais moi, je trouve que c'est de la barbarie. Et sincèrement, dans un couple, ça ne doit pas exister. Et maman, si un homme tape sur sa femme, une fois, est-ce qu'il peut recommencer? Bien sûr qu'il peut recommencer. Si un homme t'a déjà frappé une seule fois, c'est qu'il est sûr qu'il va recommencer. Parce que si le fait est que tu laisses, tu ne réagis pas, tu ne fais rien, il va se sentir puissant. Parce qu'il va se dire, je l'ai frappée une fois sur la joue, elle n'a rien dit. Donc, si elle frappe encore, elle ne va rien dire. Et il y a beaucoup de femmes qui supportent ça au nom du mariage. Beaucoup de femmes supportent ça à cause des enfants. L'homme est puissant. L'homme, c'est le... Comment je vais dire? C'est le centre de la maison. L'homme, c'est le roi, comme on peut dire ça. On peut dire ça comme ça. Maintenant, si tu le laisses te frapper une seule fois, sans réagir, sans lui montrer qu'il a eu tort, sans lui montrer que ça ne devrait pas se faire. Parce que quand tu es en couple avec quelqu'un, vous êtes des amis, vous êtes des confidents, vous êtes des binômes. C'est-à-dire que s'il y a un problème, vous devez vous expliquer. Vous devez discuter. Il peut y avoir des malentendus, vous criez dessus et tout, mais l'homme est le sexe fort. Il doit toujours savoir se contenir et se maintenir. De telle sorte qu'il n'a pas envie de se retrouver dans une situation où il peut te gifler comme ça, ta tête se tord, là, tu meurs. Enfin, comment? Parce qu'il a plus de force physique que toi. C'est inné, c'est naturellement comme ça. Maintenant, l'homme peut ramener sa femme dans un certain type de dialogue qui fait en sorte que lui-même, ça l'apaise. Ou alors, il décide de sortir. Il sort, il dit que bon, je ne vais pas me fâcher contre ma femme parce que je ne veux pas lui faire du mal. Donc, mieux je pars. Et maman, voilà. Prenons aussi le cas que bon, je suis avec mon camarade. Et mon camarade même, c'est moi. Est-ce que c'est normal? Non. Ce n'est pas normal. Si tu as fait quelque chose à ton ami qui est ton camarade de classe, qui est un garçon, si vous êtes à l'école, vous allez voir vos supérieurs. Et si vous êtes à la maison, au quartier, il y a les parents. Il peut venir se plaindre ou toi, tu peux venir expliquer la situation. Mais il n'a pas le droit de mettre la main sur toi. Imaginons qu'il met la main sur toi et après, tu ne te relèves pas. Est-ce qu'il va me donner un autre enfant? Ou alors si toi-même, là, tu mets la main sur lui et qu'il ne se relève pas. La violence n'est pas seulement aussi chez les hommes. Elle est également chez les femmes aussi. Parce qu'il y a des femmes qui frappent sur les hommes. Et eux, ils ne parlent pas parce qu'ils vont se dire que je suis un homme, je ne peux pas dire que ma femme me frappe et tout ça. C'est la même chose que chez les hommes. Quand ils frappent sa femme, je dis non, je ne peux pas dire que mon mari me frappe et tout ça parce que voilà, on a les enfants, on a. Elle va réfléchir qu'il faut divorcer. Elle va réfléchir qu'il faut qu'elle recommence sa vie. C'est très compliqué. Donc après, ils ont forcément toujours les raisons, mais ce sont des raisons qui n'ont pas leur place. Quand tu es avec des gens, quand tu considères ta personne en face de toi comme quelqu'un que tu aimes, tu respectes, tu ne peux pas lui faire du mal. Surtout le mal physique. Ok, maman, merci. Ça m'a beaucoup aidée. De rien, ma fille, je t'en prie. Voilà, maman. Et est-ce que papa te tapait? Maintenant, tu me demandes si ton père me frappait. Pourquoi? Quand tu me regardes, ton père pourrait me taper. Ah, il faut l'appeler. Tu lui demandes bien. Ok, maman. Bon, je vais partir rejoindre ma lait quand même. Je suis rentrée là-bas, la maison t'est changée. Oui, maman. D'accord. Bye bye. Bye bye, ma chérie. Non. Ce garde à qui il est toujours en train de faire comme s'il est le plus grand mature de la terre. Tu te prends même pour qui? Garde, dégage de là. Malaika, depuis tu ne fais que m'insulter, moi je ne t'ai pas encore manqué de respect. Je te demande juste de respecter ta mère, pas ce que tu fais là. Et de ne plus la mépriser comme tu fais là. C'est ta mère, c'est ta vie. Ça te dérange de la façon dont je traite ma mère, tu fermes tes yeux sur comment je fais. Malaika. Ça ne te regarde pas. Malaika, ce que Akil dit n'est pas méchant, j'ai aussi constaté ça. Regarde qui parle. Toi et moi, on a la même sauce. Tu restes trop ta mère. Laisse le secrétaire particulier de l'ange Gabriel s'agiter. Malaika, cesse de m'insulter.
Je te demande juste de respecter ta mère. Ce que tu fais là, c'est pas normal. Akil, calme-toi, ne l'écoute pas. En dehors de m'écouter, tu peux encore faire quoi? Faible, fils à maman. Toujours la nain. Malaika! Tu as la chance que ma mère m'a appris à respecter une femme et à ne jamais lui faire du mal. Je ne vais jamais te frapper. Rassure-toi. Ni toi, ni aucune femme. Tout ce que je veux, c'est que tu respectes ta mère. Anne, je vais partir. Ok, Akil. Malaika, tu cherches souvent jusqu'à ce que tu as trouvé aujourd'hui. Quoi? Est-ce que je l'ai provoqué? Il n'a fait que dire la vérité, en tout cas. Toi et ta bouche là, non? Voilà ça qu'on allait te rapper aujourd'hui gratuitement. Il allait me faire quoi? Un faible comme ça. En tout cas, je voulais juste te dire que Malaika, apprends à respecter ta mère. Une mère, ça se respecte. En plus, ta mère, ce n'est pas ton employé. Maman, pourquoi ta chambre a un désordre comme ça? Et pourquoi ton habit est froissé? Je vais faire la lessive. Maman, il peut te demander quelque chose. Tant que ça n'a pas trait avec l'argent. Ok, vas-y. Toi aussi. Bref, Malaika et Akil se sont disputés. Akil a failli frapper Malaika. Il a frappé sur elle? Non, je l'ai calmé juste à temps. En fait, il s'est retenu juste à temps. Et ça m'a beaucoup marqué parce que je vois souvent dans la rue les hommes qui frappent les femmes sans que personne ne les arrête. Ouais, c'est vrai. Et son geste est aussi très louable et très appréciable. Ça veut dire que c'est un brillant jeune homme. Il a un bon avenir. Mais maman, Malaika exagère. Elle ne faisait que le pousser à bout. Avec sa langue au bouche, ça faisait que sortir. La femme, c'est ça. Elle est toujours en train de bavarder. Même pour ne rien dire, elle bavarde. Et c'est ça qui pousse souvent certains hommes à agir. Mais j'apprécie beaucoup le fait qu'il se soit retenu. Malgré son insolence, prouve à quel point c'est quelqu'un qui va bien s'occuper des femmes. Je suis très heureuse d'entendre ça. Et je te dis déjà, si quelqu'un tente de lever ce masque à marboter ta joue, bip moi, je vais venir. Maman, j'aime quand tu parles comme ça. J'ai trop confiance en toi. Hein? Et tu ne me dis jamais. Et vraiment, c'est malheureux. Vraiment, ce genre d'enfant que j'ai accouché là, c'est terrible. Aide-moi à prendre les habits là, tu vas mettre dehors, on va laver. Okay.